Et bonsoir aux gens qui sont là, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Build. Alors j'ai fait une rapide modification depuis le dernier épisode. N'hésitez pas à me dire si ma voix est assez forte, etc. Alors, ça m'a pas l'air très stable, je sais pas, ça a l'air de se stabiliser, je sais pas. Rapide modification, j'ai fait le toit de ce... du donjon quoi. Donc, alors c'est encore à améliorer bien évidemment, mais c'est fait. Alors je garde juste un petit truc comme d'habitude. Ok, alors j'espère qu'on va être bon parce que j'ai eu des problèmes de connexion avant là, toute l'après-midi j'avais pas de co et c'était compliqué. Et au début j'ai cru que je ne pourrais pas vous le faire. Alors on a dit qu'on ferait le hop juste ici. Ah ouh, faut que j'éclaire là, c'est bien sombre. En fait, non, c'est bien. Non, ouais, c'est bien. Ici, il nous faut une table. Ça, c'est du quoi? C'est du wack. Il nous faut un truc pour contraster. Soit du spruce, soit de la pierre. De la pierre, c'est pas déconnant en soi. On va faire une table en cobble. Alors. On va faire une table, on va essayer de faire une table la plus médiévale possible, disons. Donc que je calcule. Alors je fais. En fait, il faut une table en U. Alors on va se faire un truc, on va se faire comme d'habitude. Comme d'habitude. Vous avez compris quoi? Ah zut. Bon, je t'en mets dans 30 secondes. Hop. Alors c'est la table en U. Hein. Alors à mon avis, elle est beaucoup trop écartée. Est-ce que si on réduit, c'est... On va réduire, ça sera mieux. Ça sera mieux... Hop, comme ça. Oui. Alors, faut que ça fasse 3 de large au milieu, donc... Le centre de la table est là. Je vais l'arrêter aussi un bloc avant. Voilà. Alors, il y a un problème. Ah, il y a un souci là. Comme ça. Comme ça. Ah zut, un souci là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.
Là, on est bon. On va y arriver, hein. De toute façon on est là pour ça, on est là pour faire des tests, etc. Comme ça et comme ça. Et comme ça. Là on est bien. Là on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Et voilà. Alors. Alors. Cette superbe table, on va lui mettre quand même des beaux sièges en spruce. Peut-être ça qui sera le plus beau. Oula. Pois ça. Hop. Comme ça. Puis là, il y a les... Oh, nickel. La taille de la table est nickel. Alors. Je vais ici un truc. Whip, on est bon. On est bon, on est bon. Alors. Non. Qu'est-ce que je veux? Je suis en train de me dire, j'ai besoin de... Je sais plus. Torche, je crois. Je voulais mettre de l'éclairage. Mais... On verra plus après l'éclairage. Qu'est-ce que je peux ajouter slash, on va reprendre en fait les, on mettra l'éclairage plus tard. Faut qu'on retapisse un peu les murs parce que ça fait très vite ces murs là. Alors je crois que le milieu est à peu près là. Et ben non, du coup il y a un double milieu. C'est chelou comme motif. Ça fait un truc pas vraiment très régulier, donc bon. Ça et puis là on fait un demi noir. Non, je suis moins convaincu. Cependant, près des fenêtres, ça peut être mieux. Enfin, ça peut être utile quoi.
Hop, voilà, comme ça fait rideau, on est bien. Ok. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, je vous propose qu'on s'attaque à la cuisine que j'ai commencé à creuser donc en off. Juste qu'on voit ça rapidement, peut-être. Je vais aussi rajouter les deux torches, enfin les quatre torches qui sont là. Bien évidemment. Alors, la cuisine. Super. Ok. C'est une grande cuisine. Un peu trop d'ailleurs. Je vais la réduire un peu. Parce que là, elle fait vraiment trop grand. Faut que je la réduise à là. Stone. Pof. Putain, les chauves-souris m'ont pris. C'est triste. Alors. Ok. Alors je pense qu'il faut une espèce de sol un peu en... en carrelage, tout dans le genre. Un genre de carrelage. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Si, je sais. Polished, on dit. Bah, déjà. Ça fait un peu cuisine, c'est parfait. Ok, alors. Maintenant, faut que... Je pense que... Non, pas la brique, ça fera pas la médiévale, la brique. Faut qu'on reste sur de la cobble. En fait, tout dépend dans quoi on fait le... fil. On va le faire en... stone brick. Minecraft, point stone bricks. Comment ça s'appelle? Ah, il y a un underscore, ok. Autant pour moi. Allez, heureux. Stone bricks. Alors on va faire un truc, c'est qu'on va tout de suite aller vérifier si par hasard ça n'a pas mis le bazar dehors. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et on va finir là. Fil. Il restera le plafond. Le plafond, je sais pas. En quoi on peut le faire? En soi, faut rester sur un effet bois, je pense. C'est le plus adapté. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, je pense qu'on va rester sur un effet bois, genre poutre. Sauf là, du coup. Alors. Putain, on est bon. Alors, on va tout de suite aller voir ça. Ici, ça a été couvert, donc c'est bien. Et ici, et juste là, je pense. En fait, faut pas qu'il y ait un aussi gros trou ici, c'est trop bizarre. Je fasse gaffe à pas trop aplanir le terrain par contre. Ok. Alors. Ok, là on est pas mal. Alors, stone. On va prendre un petit levier, deux petites trappes d'or, des fire camp. Stairs en
Non, je voulais un stone. Stone. Ah, ils sont là. Et la slab. Elle est là. Ok. Alors. On va se mettre un repérage déjà pour savoir où est le milieu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le milieu est là. Donc on peut faire, je pense, un fourneau un peu plus grand pour le milieu, peut-être. Bonjour. Non, justement. N'importe quoi. Que la fumée elle parte quelque part, enfin, voilà, qu'elle s'arrête pas contre le plafond. Oula, une bêtise. Et du coup, peut-être pas en bois. On a les andésites. Andésite Polychène. Ouais, alors pas en andésite du coup. En diorite. Alors, c'est pas un bon sens. Ça manque d'un truc. Peut-être le fond plus en... en cobble. Voilà, ça ressort mieux. Enfin, je trouve, perso. Ok, alors on va ensuite faire peut-être un petit four, deux petits fours. Ça fera ici, ça sera la zone four. Logique. Désolé, je voulais pas te frapper. Petit chauve-souris. Alors. Creuser de deux, on va faire comme celui d'à côté. Et en fait, est-ce que c'est de la cobble que j'ai mis derrière? Est-ce que c'est de la... Ah. Bon, ouais, c'est pas choquant. Ça la réduit en fait, c'est d'accord. Je vais mettre en haut comme ça, on est sûr que hop. Ok, alors c'est bon. Ok. Ensuite, il me faut des espèces d'armoires en fait. On va utiliser les barrels. Non, on va pas utiliser les barrels, on va utiliser les chests parce que les barrels on va utiliser pour autre chose.
ça fait, ouais, ça fait un mois. Ouais. Pof, vu qu'il va y avoir des poutres, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Vu qu'on va on va remettre des poutres ici. Et comme ça, il y a un petit rappel. Dans la poutre, on peut peut-être les définir tout de suite. 1, 2, alors non, 3, pas 3 non plus. Si je fais 2, 2, salut, j'étais ailleurs. Ah, t'étais ailleurs. Ah oui, d'accord. GT. Oula, c'était compliqué le GT là. Bah, les deux, c'est bon. Deux, c'est bon. Alors, on va essayer de faire la même organisation ici. Ouais, je fais la cuisine, oui. Oups. Tiens, on va casser un peu le truc. Voilà. Oh. Alors, je vais arrêter mes poutres à ce niveau-là, parce que je pense mettre un... dégager un escalier en fait pour faire un peu tenir la poutre, enfin pour faire le sauf là du coup. Et là, hop, en fait on va quand même laisser le sol en pierre, en stone brick, donc enfin le plafond en stone brick mais avec des poutres. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait si je faisais ça. Et un peu sur le modèle de la dernière fois. Alors, deuxième cran. Hop. Je sais pas du tout ce que ça donne au comptage. Faut pas y avoir de centre. Non, ça va pas le faire. Il faut que je décale. Ah, zut. J'aime pas, après ça va pas être... ça va pas être tout bien coordonné comme je veux. Ouais, pour l'instant t'es le seul. Faut faire venir du monde. Les gens, viendez! Comme ça. Alors, deux blocs. Ok. Ok.
Et du coup. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Toute la guilde de pommes et de fraises. Bonjour Angel, enfin bonsoir Angel. Alors, on va voir ce que ça va donner. Au début, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir vous le faire ce live. Parce que SFR voulait plus fonctionner. Bon, il aurait été décalé, mais bon. Hop. Non, pas ici. Est-ce que vous entendez, enfin, on entend de loin? Ah, voilà. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous entendez la musique assez fort, trop fort, etc. Ah bah faut le dire. Voilà, normalement ça devrait être mieux. Alors. Stone button. Hop. Pouf, pouf. Ok, on est là. Alors. Je voudrais faire une partie un peu cave, bien évidemment. J'aimerais bien l'intégrer un peu dans le. Je ne vais pas la mettre. C'est doigt doigt. Alors, qu'est-ce que je cherche? Ah oui, chisel, chiseled. Non, pas les infested. Il me saoule les infested. Hop. Là, on va faire la partie intéressante de la cuisine, la réserve de vin. Ok, et là. On va voir nos petits barils. Ah zut! Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que des bêtises. Ah ça.
Voilà. Ok. Alors, on va voir comment on peut améliorer ça. Ok, maintenant on met le petit robinet. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coin cave à vin? Dites-moi, dites-moi. C'est gris. Manque le vin qui sort. Ouais, mais bon, ça, je peux pas faire grand-chose. Ouais, mais comment tu veux que je fasse ça moins gris? Qu'est-ce que je mette? Des tapis. Ah, mais ça va tacher les tapis, le vin. Du rose. D'accord. Alors, j'en ai marre, ces chauves-souris. Ah, on va la voir. Bon, il y a tellement que où que je tire, je vais en avoir une. Pourquoi les chauves-souris, elles sont là? Elles sont là quand on est en peaceful. Arrête de bouger! Yes. Ouais, mais l'épée, ça aurait été pareil. Alors, on a des superbes fours slash fumoirs. Question, c'est que me manque-t-il concrètement? J'ai de la place, hein. Dans une cuisine royale, déjà, il faut mettre une espèce de grande... À mettre une espèce de grande table de préparation. Hop. Je dois laisser au moins 3. Au moins 3, 3, 3. 3 comme ça. Hop. Non, pas du spruce. Wack. Wack. Tricher de Wax Lab, c'est quoi ce truc? What? C'est quoi ce machin? Ok, je découvre des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pétrifié de Wax Lab, ça sort d'où? Genre, je savais pas que ça existait. Hop. De l'Inde, peut-être que tu sais, toi, non? Ça m'intrigue. Ah ouais? D'accord. Et... Ok. Donc c'est... Ok. Moi, c'est pas bête, mais... Mais du coup, il y a pareil avec tous les... Ah non, il y a que celle-là. Ok, super. Ok. Bon bah super, je savais pas du tout. Je découvre. Mais c'est chelou. Ouais, mais en fait ça fait sens en gros que c'est un bloc qui bolle pas, mais c'est étrange. Tu as dit c'est pas bête, mais... On a les fours. On a... Ah, on peut peut-être faire une espèce de... De feu un peu plus central pour faire genre cochon grillé, tout ce truc là.
Non, c'est pas la bonne couleur. Déjà, on va prendre ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Block of coal, ok. Et stairs. Ok. On va utiliser ça. En fait, ça fait loin. Et un rod. Attention parce qu'à tout moment, je peux débarquer sur le Discord. Hein. On passera en live. Alors, durite plutôt. Faire contraste un peu. Ok. Puis là. Plus sous forme de stockage. Hop. Non, vers le haut. Pour le trapper plus joli. Ah. Alors celle-là, c'est celle qui se prête le mieux à la couleur. Moi, ça le fait. Ça le fait. Alors dites-moi par rapport à la cuisine, qu'est-ce que je peux ajouter, slash modifier, slash... dites-moi. Hop, je vous monte un peu tous les coins. Bah non, il travaille debout. Ouais, on va mettre des chaises. Au moins près de la table de travail. Non, je parle pas des bonhommes. Ça, on le fera tout à la fin. Ça sera vraiment tout à la fin. Mettons des chaises. Spruce. Je sais plus comment je les ai faites là-haut. C'est du spruce, je crois. Ouais, ça. Un peu une espèce de gobelet là aussi avec des de je sais pas de planches à découper, je sais pas trop quoi, dans le genre. Quand tu dis des plantes vertes, tu vois quoi? Parce que... compliqué.
Alors, oula, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, toujours les chauves-souris ici. Bah justement, on va faire ça. Effect clear, go def et night vision. Hop, petit peu d'éclairage à faire là. Torche. J'essaie de les placer à peu près intelligemment. À hauteur d'homme, c'est bien. Voilà. Une par là. Une par là. Je pense que c'est assez bien éclairé là au milieu. Je pense. Je pense que c'est pas mal. Alors, si vraiment on veut mettre une plante verte, on peut éventuellement cela. Qu'est-ce que je voulais? Je sais pas quelle celle qu'elle a là, c'est laquelle. Et ah oui non, il faut que j'aille voir là-dedans. Comme ça fait un petit peu de verdure. C'est pas mal là. Oh, c'est bien comme ça. Alors. Oula. Si c'est bien. Si c'est bien. Ça va, j'aime bien. Alors. Bon, il aurait pu y en avoir. Alors, on va monter là-haut. Là. Et du coup, j'ai commencé à faire la table pour ceux qui n'auraient pas vu. Et là, par contre, ça fait très vide et je sais pas quoi mettre. Je sais vraiment pas quoi mettre. Encore une fois, on peut décorer, hein, toujours. Mettre des assiettes. Un lustre, c'est vrai, on peut faire un lustre. Ici. Alors les lustres. Toujours une galère à faire, je trouve. Je sais pas si c'est la meilleure idée de faire avec ça. Ça peut être un truc très simple, hein, pas besoin de faire un truc compliqué, mais. Vraiment ce que j'ai dans la tête. On verra ce que ça donne. Ça va, il est pas trop bas. Non, ça va. Des toilettes, on peut faire des toilettes, enfin des latrines du coup. Ouais, il éclaire que dalle, mais c'est pour l'effet bougie que je mets ça. L'éclairage, on peut le cacher sous un tapis, c'est pas un problème. Après, on peut essayer avec des torches, hein, mais je pense que ce sera un peu moins beau.
Un bourré, mais j'ai dit quoi, Angel? J'ai dit que je ne mettais pas les bonhommes pour le moment. Bon lustre, ah. On va mettre tout de suite un peu d'éclairage. On va cacher sous les tapis. Près des black carpet. Comme ça. Ok. Je t'ai dit quoi sur les personnages d'Angel? Alors, j'ai un problème. C'est pas grave. Hop. Voilà, déjà comme ça veut dire qu'on peut cacher tout l'éclairage à d'autres endroits. Et ça, c'est bien. Alors, à peu près tous les deux, je pense. Yes. Ah! Ok, là on est bon. C'est assez éclairé. Ah oui, alors c'est ça que je veux faire. Renwool. Salut Axel. Alors, ça donne ça pour le moment. Peut-être que le tapis l'élargira un peu ou faire un truc comme ça. Hop. Alors je trouvais que ce mur était bien vide. Du coup je sais pas trop quoi mettre dessus. Il est quoi mon tapis? Il est rocks. Parlez français. Je sais pas quoi mettre sur ce mur. Ça me grattait au bras. On peut tenter les paintings, hein. Alors ce qu'elle donne en plus avec ce pack de textures, je sais plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a de sympa là-dedans? De l'eau? De quoi de l'eau? Il faut préciser quand tu dis. Ah! Alors le whisky, ça n'a pas cette couleur-là, Angel. À la limite, ce serait la vodka, c'est tout. Un vitrail, ouais, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que le verre, je voulais surtout le réserver pour une chapelle ou un truc comme ça. Il sera pas hyper central en plus. Ah.
veux dire, comme ça, c'est pas mal pour l'instant. Après, on pourra revoir ça plus tard, hein, c'est pas un problème. Alors, pour l'instant, du coup, ça donne ça ici. Hop. Alors, on va reprendre les salles une par une et vous allez me dire un peu. Oula. Ce que vous en pensez. Ah bon, là, il y a le toit, faut qu'on fasse l'accès d'ailleurs par la muraille. Là, il y a la salle à manger. J'ai pas le mode cinématique. Qui donne ça, du coup. Superbe. Superbe cheminée ici, là. Hop, ok. Ensuite, si on descend d'un étage, on a la salle du trône. Qui, je pense, peut être redécorée un petit peu. Ça manque peut-être un petit peu de détails. Enfin, peut-être sur les murs là, ou un truc comme ça. Et enfin, si on prend la porte qui est là et qu'on descend, on a la cuisine qui ressemble à ça pour le moment. Donc dites-moi. Waouh, un spawner. Dites-moi. Non, faut me dire là ce qu'on peut ajouter. Un cochon à la broche. Oui, alors c'est prévu. Mais tous ces trucs-là, je sais pas si on le fait ensemble maintenant ou si on le fait dans un autre épisode dédié à la décoration. Genre vraiment la décoration, genre command block. Après, on peut faire des tests, mais. Hop. On peut toujours essayer. En fait, la broche est là, c'est prévu. Après, il manque le cochon. Alors, en fait, j'aimerais bien. Je sais plus comment il s'appelle ce site. Et merci Axel pour le follow. Comment il s'appelle ce site déjà? Il y a un super site pour. Comment? Pour, où on en entre juste les informations qu'on veut et Ah c'est ça je crois que je l'ai. On va tenter hein. Alors summon, on va pig. Cochon. En fait faudrait que je vous partage la fenêtre. Ce serait quand même plus sympa. Oula. Alors j'ai un problème avec la truc, ça ne veut pas la partager correctement. Ok, super. Alors, on va recommencer. Ça ne veut pas l'ajouter. Heureusement, vous ne voyez pas en direct, parce que sinon, vous auriez eu un gros écran noir. Alors. Tout de suite sous vos yeux ébahis. On va faire ça ensemble, comme ça vous voyez tout ce que je fais. Hop, là vous l'avez, c'est bon. Alors, on va du coup prendre cochon. Cochon, c'est un super site pour ceux qui ne connaissent pas. Ou bah on peut faire nos propres bonhommes. Alors, sensible à la gravité, oui. Persistant, oui, désactivateur, oui. Brillant, non. Point de vie, ben on s'en fout. Enfin, normal quoi, du coup, pas besoin de toucher. Bébé, non.
Stuff, aucun, machin, aucun. Ok, normalement avec ça on devrait être bon. Alors, ah super, ça le fait en direct ou pas, parce que là c'est pas beau du coup. Voilà, là c'est plus beau. Voilà, je vous le remets en grand écran. Alors, slash give godef, commande bloc. Commande bloc, man. Ah oui, je suis un peu. Personne ne doit utiliser ce truc. Alors, j'espère que. Ce super cochon qui prend les dégâts, je sais pas s'il prend les dégâts de feu. Ah oui, il faut qu'il rotate de. Où est-ce que je le rotate? C'est embêtant ça. Je sais faire pour les. Je sais faire pour les armor stand, mais pas pour les cochons. Alors je vais vous le remettre du coup, je vais vous montrer. Pof pour les armor stand, alors pour les armor stand c'est tout bête. Mais du coup est-ce qu'il faut pas rajouter ça dans la commande? On va voir si ça fonctionne ou pas. Rotation 40F. Bon 40F c'est une valeur au pif mais. Rotation. Alors on retourne là. Rotation de points. Je crois que c'était comme ça. Crochet. Crochet. 40F. Fermez les crochets et ça doit être virgule. Yes, c'est ça. Donc on va mettre du coup bah 90. Logique. Et alors, par contre, il va falloir que je le place à une position. Je. Non, 3, j'ai dit, pas 2. Alors, plus 3,5 du coup. Alors, je peux que. Quand tu suis là. Un peu moins. 3,4. C'est pas mal là. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Du grand art, bon, alors c'est du grand art. Hop. Bah. Faut bien le manger, quoi. Il a été fait pour ça. Hein. Ouais, mais ça ferait. En vrai, on pourrait la mettre, hein, mais ça ferait pas très beau. Faudrait plus. Le. Comment dire. Mettre une pomme dans sa bouche. S'il était sur un plateau. Genre typiquement on peut en rajouter un là-haut sur la table. Alors un truc qui me perturbe là, c'est que très clairement il faudra peut-être faire une évacuation. Ça non, pas comme ça. Comme ça. Ouais, c'est la hotte du Moyen-Âge.
Je sais que je peux obligé de le laisser, mais je laisse toujours mes commandes blocs en cas de problème où je ferais une erreur en le, je sais pas, en le tuant ou quoi, ou voilà. Et ben je laisse toujours, voilà. On va faire un, comme si là je sais ce qu'on va mettre. Concrete. Alors n'hésitez pas à inviter vos potes sur le live, hein, pour qu'on soit plus. Voilà, parce que ça, t'as l'impression que le truc s'en fout. Alors du coup, on peut peut-être repasser ça comme ça. Plus joli. Et là, on va mettre ça comme ça. C'est bien comme ça. Ah, comme ça, il y a l'évacuation des fumées. Ok. Quoi, Godef, Godef, Godef. C'est pas éclairé ici. Enfin, ça manque d'éclairage à l'intérieur. Hop. Peut-être glowstone ici. Ah, d'accord. Bah, écoute, tant mieux pour toi. Là, on va laisser ouvert, je sais pas. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Pour faire joli. Alors bah du coup vu qu'on est lancé sur la déco vu qu'on est lancé sur la déco un peu technique genre command block, n'hésitez pas à me dire ce que je peux ajouter. En fait on peut même mettre des bonhommes et tout qui travaillent hein, du coup, enfin c'est pas un problème. On peut s'amuser. Quoique, est-ce qu'on fait ça maintenant ou... Attendez, déjà on va faire un tour général et puis on verra ensuite. Alors, les outils au mur, ouais. Tes armures décoratives, ouais. Plus... oh, coucou toi. Plus là-haut. Des cuisiniers, oui. Logique. On pourra mettre le roi sur son trône aussi. Et Angel Bourré, non. Alors je voulais faire un accès ici en mode échelle. Lido. Échelle ou escalier? Stairs. Alors je rappelle juste comme d'habitude que si vous souhaitez soutenir la chaîne Twitch, vous avez deux moyens possibles. Un gratuit et un peu plus payant du coup qui est loin d'être obligatoire, bien au contraire. Ne vous sentez pas obligé. Le gratuit c'est d'aller sur mon Tipeee et de regarder une petite vidéo, ça me soutient. Et le payant entre guillemets c'est de me faire un don directement et je vous serai très reconnaissant bien évidemment, mais ne vous sentez surtout pas obligé. La chaîne Twitch. Oula. Je suis en train de perdre mon micro. Il y a eu un... Alors je crois que ça se voit très peu, mais derrière moi il y a une espèce d'effet un peu moche sur ma cam. Et je crois savoir à quoi c'est dû. Est-ce que vous voyez comme moi ou pas? Genre ça grésille un peu en pixels noirs. Dans webcam, filtre. Ouais, c'est ça. Ok. si je vous montre, je sais pas si ça le fait en direct ou pas. Si ça le fait en direct. Okay. Ah, ouais, c'est ça. Ok, c'est réglé. J'avais pas vu. Parce que la dernière fois, j'ai fait un test. Un test fond vert. En fait, je voulais tester un truc avec le fond vert pour voir comment ça fonctionnait. Et du coup, bah, j'ai fait des tests. Et du coup, vu qu'il y a un peu de VR derrière moi, bah... c'est bon, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on a qui fait un peu barrière, un peu joli ? Oula.
Alors, mis à part Angel et Dwellard, donc je sais déjà. Comment il s'appelle? Axel, si je me trompe pas de ton pseudo. Comment es-tu arrivé sur le live? Ça m'intéresse de savoir. Je suis devenu trop bon en fait en idée là. Je suis grave fier de moi pour ce truc. C'est tout. Alors, où en étais-je? Reprenons. La salle du trône. D'accord, ok. La salle du trône. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que je peux ajouter, ce que je peux enlever, ce que je peux modifier. Enfin, vous avez compris quoi. On peut ajouter un piège où le roi il tombe dans un trou. Ceci dit, on pourrait vraiment faire un passage secret. Faudrait enlever la carpette par contre. Carpette. Ah oui, en train de percer. Bah, ça s'appelle des toilettes en fait. Voilà. On avait dit que ça manquait d'éclairage là-dedans. Il y a un... Ah oui, c'est le PNJ de marchand là qui râle comme ça. On va faire ça de l'autre côté aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé, ça m'a pensé avec Weirly. On n'a pas pensé, j'ai pas pensé à faire de chambre, etc. Genre les quartiers du roi, quoi, enfin concrètement. J'ai pas du tout pensé. Alors deux choses, soit je rajoute un étage au donjon, hop, soit on rajoute un étage au donjon pour faire ça. Soit on considère qu'ils auront une maison qui leur appartiendra. Genre une maison là-dedans, là. Ils auront une maison, ouais. C'est un roi proche du peuple. Il aura sa propre maison au milieu de la plèbe et tout, enfin voilà. Mais je pense qu'on est pas mal pour le donjon. Alors juste au-dessus, on va se faire un petit trébuchet. C'est ça, c'est tout à fait l'idée. Log. Alors, encore les... Ouais, non, c'est eux. Il me manque les oak planks, oui. Alors, petit trébuchet ici. Quoi, 3 de large ou c'est trop... Non, ça m'a l'air un peu juste. Alors, est-ce qu'on fait un trébuchet sur une espèce de roue de rouage pour que ça puisse tourner dans tous les sens? Dites-moi. Parce que ça, j'ai déjà fait. Je sais faire. Bah, on va dire que je pense pas que ça soit très historiquement très juste de faire ça, mais c'est une idée après pour
pense que je préfère ça. Ça peut être drôle. Ça va être un château. Oui, non, mais voilà, bien sûr. Faut dire que Minecraft s'est jamais revendiqué étant d'une époque spécifique, donc. À partir de ce moment-là. On est 5, oui, tout à fait. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Alors. Espèce de plateforme là. Je fais n'importe quoi. On va faire l'intérieur en spruce plutôt. Oui. Alors, on fait l'intérieur en spruce sauf celui-là, tiens. Faut croire que personne ne veut m'entendre chanter, je suis triste. Je chante pas si mal, je vous jure. Alors, il y a un bug quelque part, non? Là, il y a un problème. Ok. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Ok. Va falloir qu'on fasse aussi un faux plafond. Alors, enfin là comme ça me dit rien, c'est ce que je connais. Mais... Cependant, je chanterai un truc que je connais. Sinon, ça va être compliqué. Non, on va plus mettre un truc au centre pour pas que ça fasse moche. Hop. Ah d'accord, ok, voilà, là, bah là ça me parle plus. Allure. Ce superbe trébuchet, on va le mettre comme ça, il va faire cet espace là à peu près. Hop. Oui, mais les musiques de film, je connais pas, je connais rarement les comment ça s'appelle les titres. Alors non. Alors comme ça. Ok. Alors. C'est là où. Où j'aurais dû prendre un autre bloc. Genre du hack. Par exemple. Alors, en fait, non, on va repartir sur la première idée.
comme ça on peut utiliser, je sais pas, une espèce de... Comment on pourrait faire ça? Bonne nuit Axel. Hein, c'est pas si simple à trébucher. Hein. Alors je pense que le mieux à faire... Le bug des cobwebs, ça devrait le faire. On va voir. Merci de voilà pour cette blague. Alors j'aurais plus vu ça comme ça. Ouais, ça semble plus logique. Et pour l'espèce de poids au bout, bah on va accrocher Angel. Pardon. Ok. D'accord. Dommage. C'est plus cubique que ça. Hein. C'est plus cubique, mais c'est plus gros aussi. Ouais, ça fait plus ça. Je pense. Bon, c'est un petit trébuchet. Hein. Ouais, bon, il sera sûrement à revoir, à mon avis, parce qu'il est pas, top. Mais bon, on le reverra plus tard. Cependant, je suis... Bah ouais, c'est ça en fait le problème, c'est que ça fait un peu ça. En vrai, non. Parce que si tu inverses la position, tu as un angle assez bon, soit 45 degrés pour que ça aille loin. Mais il faudra voir, il faudra faire en plus gros, je pense. Il faudra le décaler. Plus vers ici. Alors on va faire ça. On va le décaler tout de suite. Mm-hmm. Non, j'ai pas d'idée là en fait tout de suite. Faudrait que je regarde en off. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais faire. La prochaine fois, on s'attaquera aux maisons, etc. Enfin, aux emplacements de la ville. Au terrain, quoi. On va essayer de terraformer. Enfin, pas vraiment de terraformer, parce que c'est fait, mais... On va préparer le terrain pour les maisons, disons. Et peut-être commencer une ou deux maisons. Du coup, on va s'arrêter ici pour celui-là. Ça fera d'ailleurs un peu plus court que d'habitude. C'est pas très grave. C'est pas plus mal. Le dernier était très long, en plus, je crois. Donc voilà, donc on va se laisser ici, donc merci à ceux qui étaient présents pour le live, hein, comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous allez voir dans les panels juste en dessous, vous savez déjà quoi faire, et pour ceux qui regardent la rediffusion, et bah vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, liker la série, la partager, commenter, me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et bye tout le monde.